pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la première vidéo de l'année 2022. Donc Basile n'a pas pu être présent pour cette première vidéo de l'année, mais vous inquiétez pas, vous le verrez au fil de la vidéo. Donc on vous souhaite une bonne et heureuse année 2022, une bonne santé. Donc on va commencer par vous parler du cyclocross de Flamanville, donc la coupe du monde de cyclocross à Flamanville, qui va se passer le dimanche 16 janvier 2022 à Flamanville. Donc je vais vous présenter la manche, donc qui accueille la coupe du monde, qui appartient donc, la manche appartient à la région de la Normandie. La manche contient 495 045 habitants en 2019, sur une surface de 5 935 km². Flamanville, située au nord-ouest du département, soit à environ 20 km de Cherbourg-en-Cotentin, le climat de la Manche est océanique. Hein. Il pleut, mais il fait quand même beau. Je vais vous présenter quelques monuments de la Manche. Comme vous pouvez le savoir, le Mont Saint-Michel, Saint-Balaougue est à Thiou, la Cité de la Mer à Cherbourg, les musées, les plages du débarquement, donc de la gare 39-45, et encore d'autres monuments à découvrir dans le département. Les différents sports du département, le cyclisme, la voile, le golf, le rugby, l'équitation, et encore d'autres sports. Pour le cinéma, la Manche a accueilli les Parapluies de Cherbourg avec Jacques Demy, Deux jours à tuer avec Jean Becker, Les Cadors avec Jean-Paul Rouve au mois d'août, Marguerite et Julien qui est apparu sur Netflix, comme pour les Parapluies de Cherbourg. Donc vous pouvez les retrouver sur Netflix. Pour revenir sur le sujet de la Coupe du Monde, qui est quand même le sujet principal de la vidéo, donc la Coupe du Monde de cyclocross va être accueillie par le château de Flamanville. Donc en 2018, une Coupe de France, puis en 2020, le Championnat de France, et maintenant en 2022, une Coupe du Monde. Donc le château a accueilli ces dernières années de nombreux événements. Ce magnifique décor avec le château de Flamanville, qui a été créé au XVIIe siècle, reconstruit sur une ancienne maison forte du XIe siècle. Le 6 janvier 1930, ça devient un monument historique avec ce symbole-là du patrimoine. Le propriétaire initial, c'est Hervé Bassan de Flamanville. Bon visionnage, on se retrouve après le Tizer pour vous décrire un peu plus cette édition de Coupe du Monde. Et puis, à tout de suite. Alors les horaires pour ce week-end sont alors le samedi de 12h30 à 18h, ça commence avec une inspection du parcours UCI, c'est suivi d'un entraînement officiel et ça se termine avec une confirmation des coureurs. Le dimanche ça commence de 8h30 à 9h20 avec un entraînement officiel, ensuite de 9h30 à 10h20 la course homme junior,
De 10h30 à 11h20, la course femme junior. C'est suivi d'un entraînement officiel. De 11h45 à 12h45, c'est les hommes moins de 23 ans. Ensuite, c'est la cérémonie protocolaire des hommes juniors, des femmes juniors et des hommes de moins de 23 ans. De 12h45 à 13h30, c'est le dernier entraînement officiel, ce qui en compte 4 au total. Ensuite, de 13h40 à 14h40, c'est la course élite femme. Ensuite, c'est la cérémonie protocolaire élite femme. De 15h05 à 16h15, c'est la course élite homme. Et cette journée se termine avec la cérémonie protocolaire des élites. Je vais donc vous présenter le parcours de la Coupe du Monde de cyclocross de Flamanville. Donc le voici. D'une longueur de 2900 mètres avec un dénivelé de 30 mètres. Composé d'escaliers, de passerelles, de planches et de marches, en passant par les bois et entre les bois du château et entre les deux étangs. Vous pouvez donc voir sur le parcours où seront situés les écrans géants, la ligne de départ, la ligne d'arrivée, la restauration et le parking équipe. Donc voici le plan des différents parkings. Donc le parking spectateur, qui sera équipé de navettes gratuites, le parking presse invité, donc voilà tous les différents parkings. Cap Cotentin, donc la ligne de bus Cap Cotentin, la ligne B renforce le trajet entre Cherbourg et Flamanville pour cet événement. Pour information, le pass sanitaire, le masque est obligatoire. Et voici donc les différents plans que vous pouvez retrouver sur le site du cyclocross en Cotentin. Alors, les partenaires. Le partenaire principal, c'est Campagne de France. Les partenaires institutionnels sont Région Normandie, le département de la Manche, le Cotentin et Flamanville au Cotentin. Les partenaires officiels sont Big Mat et Groupama. Les partenaires World Cup UCI sont Bingol, Etias, Quartemont, Air News Blend, Sauce Powers, Food Group, Shimano, Steel et Toyo Tires. Les fournisseurs officiels sont Crédit Agricole Normandie, Wheat Power, EDF, Attitude Manche et Colis Service. Les autres partenaires, il y a le CMN, Jacqueline, H2O at Home, Mercure Hotel, Ibis Hotel, la Presse de la Manche, France Bleu, Cotentin Unique par Nature et Cap Cotentin. Le bureau. Alors, le président du bureau, c'est Mickaël Lemardelet. Les vice-présidents sont Stéphane Leclerc et Hervé Lefebvre. Le secrétaire, c'est Alain Leclerc. Le trésorier, Yann Brissé. Et les autres membres sont Isaël Deprater, Laurent Lecartier, Stéphane Ménil, Dominique Lecoffre, Loïc Quindry, Sylvain Bulgari et d'autres. Bonjour Daniel, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter en quelques mots ? Voilà, je m'appelle Daniel Manjas, je suis commentateur de cyclisme depuis le début des années 70. J'ai commenté 41 Tours de France, autant de Paris-Roubaix, autant de Paris-Nice, le Critérium du Dauphiné, des 4 jours de Dunkerque, et j'en suis à mon 43e championnat de France, et j'anime les Coupes de France. On m'appelle la voix du Tour, encore un peu, la voix du cyclisme, voilà. D'accord. Alors Daniel, tu es un véritable passionné à cause de la crise sanitaire. Pas de micro, pas de course. Tu as dû le vivre comme un vrai cauchemar. Oui, je l'ai vécu comme comme une privation. Privé de mon sport favori, privé de la rencontre avec le public, oui, avec les coureurs, et puis avoir l'impression de ne servir à rien. Donc, j'ai hâte, comme tout le monde, qu'on tourne le dos définitivement à cette pandémie et que nous retrouvions ce que l'on appelle le sport, mais aussi la fête. Parce que le sport cycliste a cette force de véhiculer une vraie ambiance de fête, car c'est un sport qui va à la rencontre des gens, qui se déroule sur la voie publique, qui passe devant les habitations, et puis il y a
cette forme de tutoiement entre le champion et son public. Et as-tu des anecdotes à nous partager ? Sur quoi ? Oh, sur ta carrière en tant que speaker ? Ah ben, il y en a beaucoup, énormément. Un jour, je vais chez Vincent Barthaud, qui avait été maillot jaune du Tour de France. Nous allions à Saint-Gobain, j'animais un critérium qui était organisé par Martial Gaillon, qui était l'un des meilleurs spécialistes. Et puis, pas très pressé, Vincent, il a dit au revoir à toute la famille, il a pris son temps. Et nous sommes arrivés, les coureurs étaient partis depuis déjà... Allô, tu m'entends ? Allô, oui. Ah voilà, quand je transfère la tête. Voilà, était parti depuis un tour, et puis autrement, l'anecdote la plus belle, c'est un jour, je faisais la voiture info sur le tour, ouais. Et Albert Bouvet, qui était le directeur adjoint du Tour de France, monte à ma hauteur, elle m'a dit, faut que t'aies commenté l'arrivée, le speaker est en panne de voiture. Et je suis allé commenter l'arrivée, c'était en 74, à Saint-Lary-Soulan, au plein d'Adé, et c'est Raymond Poulidor qui a gagné l'étape. Alors je me suis dit, même si j'en commente pas d'autres, j'aurais commenté celle-ci, c'était pas un début et une fin, c'était le début d'une aventure qui a duré plus de 40 ans. Eh oui. Alors le cyclocross de Flamanville est devenu le rendez-vous incontournable pour de nombreuses personnes. Es-tu fier de ce rendez-vous, car c'est la première fois de l'histoire que la Manche, c'est historique pour la Manche d'accueillir la Coupe du Monde. Ah oui, c'est quelque chose. Je suis content, c'est une belle récompense pour Michael Lemardelet, son équipe, Michael qui s'investit sans compter. Et c'est vrai que on aura un championnat du monde avant la lettre, avec les meilleurs spécialistes mondiaux qui seront au rendez-vous de cette Coupe du Monde. C'est une première en Normandie, je pense que c'est pas une dernière. Non. Puis on aura donc Iserbyt, Van der Hennout, Van der Haar, et puis on va suivre avec intérêt évidemment les performances des coureurs français dans cette épreuve. C'est carrément ceux qui joueront les premiers rôles au championnat du monde seront à Flamanville. 15 jours justement avant le championnat du monde. Oui. C'est une course qui vaudra le déplacement. Tu te sens comment à quelques jours du jour J ? Je me sens heureux pour tous les passionnés de cyclocross, heureux bien évidemment pour Mickaël et puis toute son équipe, et puis heureux d'avoir deux manches de la Coupe du Monde cette année en France, oui. Parce que le dernier week-end du mois de novembre, j'étais à Besançon pour commenter la Coupe du Monde, c'était magnifique. Mais là, c'est chez nous, dans le département de la Manche, et il ne faut pas oublier que la Normandie est une terre de cyclocross. Le premier champion du monde amateur de cyclocross était normand, c'est Michel Pelchat qui venait d'Argentan. Donc, il va y avoir une belle course dans un cadre idyllique qui est celui du château de Flamanville. C'est sûr qu'il y a des châteaux. Bien évidemment. Et puis, il y a un jeune normand qui marche bien, qui entraînera son maillot tricolore. C'est Lucas Le Sueur qui est capable de monter sur le podium. Donc, ça va être une belle journée. Si tu devais passer un message à l'organisation du cyclocross, à Mickaël Lemardelet et toute son équipe, ça serait lequel ? Oh, j'ai aucun message à leur passer, j'ai juste deux mots à leur dire, tout simplement bravo et merci, parce que fallait oser, et ils ont entrepris, et ils sont récompensés, et fort justement, c'est le travail d'une équipe qui est totalement reconnue. Quel est ton pronostic pour le cyclocross élite homme ? Moi, je pense que Iserbyt va être très difficile à battre. Donc, j'ai envie de le mettre favori, mais il y a Van der Hennout, il y a Rueg également, le Suisse, il y a de très bons coureurs, mais je pense que Iserbyt va être difficile à battre. Ok, alors pour conclure, si tu devais nous faire passer un message aux reporters, ça serait lequel ? Abandonnez-vous, laissez-vous vivre librement. Je crois que dimanche, laissez parler vos sentiments. Oui. Vous allez voir du grand art, avec des qualités physiques, avec du courage, de la volonté, de l'adresse. Ce sont véritablement des athlètes de haut niveau. Il ne manque plus qu'une seule chose au cyclocross, qu'il soit reconnu dans quelques temps comme sport olympique. Ouais, c'est ça. Bon, merci beaucoup Daniel pour l'interview. Voilà, et on se voit samedi. Oui. Donc si vous avez décidé de venir au cyclocross de Flamanville grâce à notre vidéo, donc n'hésitez pas à aller acheter vos billets sur le site Cyclocross en Cotentin.
faites attention, avec le Covid, c'est 5 000 spectateurs maximum. Donc dépêchez-vous par contre d'aller acheter vos billets parce que 5 000 spectateurs, ça va aller très très vite avec ce magnifique spectacle qui sera magnifique. Donc nous voici le lien pour aller acheter vos billets. D'accord. Pour les hébergements, donc l'hôtel Mercure en Cherbourg-en-Cotentin au port 13 quai de l'entrepôt, c'est une vue sur le port de Cherbourg. Aussi, il y a l'hôtel Ibis Cherbourg, la Glacerie, 2 rue du Château d'Eau. Hôtel Ibis Budget, Cherbourg, la Glacerie. Donc voici les logos hein, des différents hébergements. Donc RM13, rond-point André Mello. Et l'hôtel Les Pieux, 67 rue Centrale. Donc voici les différents hébergements. On vous a tout dit sur la billetterie. Donc faites attention. Sur la région, on vous a tout dit, on vous a tout décrit dans cette vidéo. On remercie énormément Daniel Manchas pour cette interview. Et puis, on a hâte de se retrouver le 16 janvier au château de Flamanville. Donc, on espère être présent. Normalement, ça va être bon. On va pouvoir être présent sur le cyclocross où on fera un petit reportage. Un petit reportage comme chaque année. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez aller retrouver nos vidéos du championnat de France 2020. Donc vous pouvez aller regarder toutes nos vidéos. Et puis on remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. Et puis on se retrouve pour le cyclocross le 16 janvier. Salut.